J'espère que vous profitez bien du tournoi ce soir. On salue le shout-out à Pizza Show à Val-d'Or. Hein. Si vous voulez de la bonne pizza, allez au Pizza Show, même si je ne sais pas où. C'est laquelle? Il est où, Pizza Show? C'est lequel? Je ne suis pas de Val-d'Or, fait que... Pizza Show, Google Maps. Il est où? Shout-out à ma mère qui work au Pizza Show. Ah, c'est vrai ce que la mère à Brochu travaille. Salut Brochu, en passant, j'espère que ça va bien. Brochu qui est souvent toujours sur son hide de Coupe Stanley. Fait que DJ à Brochu là-dessus. Mais la question, c'est qui en TW Salum va gagner le championnat? Merci pour le lien. Nice, qui est parti. Wow, quelle surprise, Pokémon Trainer contre Bowser. Je suis en choc. Hein. Là, la question, c'est Pizza Show, Val-d'Or, pourrais-tu commanditer Abitibi Sport tant qu'être là? Anyway, match 1, Squirtle. On a comme deux tortues sur le stage, mais disons de poids différents. La bonne nouvelle, Squirtle, c'est qu'on a facilement un début de combo. Et Bowser, en une attaque, va pratiquement rattraper le tout. En fait, en deux attaques. Hobby. En fait, c'est Whirlwind Fortress. Hein. On essaye encore de scraper des noms des attaques. Ben, Bowser, c'est Bowser Bomb, Whirlwind Fortress, Slime Red, puis Flying Slam. Parfait. C'est en fait, c'est des seuls bonhommes que je veux dire à 100%, c'est quoi les 4 moves vite de même parce que. Parce qu'il revient tellement souvent. Je veux dire, quand on attend un BTB, c'est connaître Bowser, c'est pas mal rien que ça. Oh, Spike! Ah, ça fait mal ça. Non seulement que je connais Bowser comme une tête, mais je dirais que Salum connaît Bowser pour le Spike. C'est sûr que l'AMJ, le dernier de Ivy Zord sur Hitbox, est assez incroyable. Et voilà, on invoque le move sur moi, un des moves les plus cheap du jeu, c'est-à-dire Flame Breath de Bowser. On a un ladder combo avec des up air de Salum. On s'explique un peu avec les back air, perfect shield là-dessus. Un autre up air. On veut qu'il cherche l'ouverture. On space bien avec le Razor Leaf. On aussi à rentrer Flame Slam. Hein. W, ça prenait juste une entrée. Une entrée. Et c'est une entrée cheesy, là, genre bâtonnet de mozzarella. Là. Okay. Ah, non, c'est bon. Les noms sont pas versés à la caméra. Excellent point! Donne-moi 2 secondes. Merci beaucoup à. New ouais, exactement. Salium! Salium contre Salium! Salium contre Salium! C'est son frère jumeau qui est arrivé en région. Il se bat pour. Il se bat dans le fond pour prendre le nom et pour l'honneur familial. Je sais pas ce qui se passe en arrière. Merci beaucoup pour le deal. Non, les noms sont corrects. Dans ce temps-là, j'ai pas regardé le match, mais on peut voir Bob Liu qui t'a donné le stock. Salut. Ce que je comprends, c'est qu'on a Ace Vincent qui s'est fait nine par Gavin Webb. Combien de fois? J'ai posé la question. C'est deux matchs au moins qui finissent comme ça. C'est pas nine en ce moment. C'est fait 9 deux fois. La question de jour, c'est combien de fois je peux plugger Pizza Show pendant le match? Genre, je dis le menu. J'ai-tu le menu devant moi? On va essayer de plugger le menu, t'inquiète là. S'ils sont bien installés, ils devraient l'avoir sur Internet. Ben, est-ce que son côté 4 sur 5 sur. Sur Google? Sur Google. Nice. Ça ferme à 10h, fait que gang, vous avez encore une heure si vous voulez commander une pizza. Je vais me dépêcher. Dites que Big J vous envoie. Est-ce qu'ils font la livraison jusqu'à Amos? Je suis surpris. Quand les pizza chauds et dites que Big J vous envoie, vous allez avoir quelque chose. Peut-être un regard crush. Probablement. Bowser contre. Encore les deux tortues sur l'écran avec un poids différent. À peine. Attends, j'ai-tu bien vu qu'il a fait 22% que je suis un air? Y'a-tu fait quelque chose avant là? Parce que je pense que j'ai passé de 22% avec juste un air, puis il me semble que c'est pas busted de même nair là. Ben, nair peut donner jusqu'à 3 coups. Non mais, anyway! Ouais, je sais pas, va falloir vérifier sur la reprise. En parlant de cheese, Squirtle. Ouais. Voyons, Squirtle, cheese pas. Impossible. Oh, beau W qui va recover high, parce qu'il avait lu le. High bizarre qui arrive avec son down air, je pense qu'on va faire attention. Exactement, mais il a bien fait parce que celle-là m'avait essayé de l'attaquer vers le bas, fait que beau raid de W là-dessus. Beau call out, j'aurais plus dire en fait. Ouais. Ça fait voir qu'à ce moment, on est pas mal plus dans un niveau de jeu de joueurs qui. C'est pas mal plus des games mentales que d'autres choses. Des games dans le fond de
Dans le fond, ils jouent aux échecs. Hein. Les deux joueurs sont quand même. Ah non, Salum qui revient pas, un SD de son bord. Là, en plus, on a beaucoup de rage côté de Bowser. Bonne idée de switcher à Ivy tout de suite parce que. Avec Squirtle, ça va pas durer longtemps. Mais avec Squirtle, ça aurait pu faire combo une fois, puis il aurait pu mourir avec de la rage comme ça sur Bowser. Là. Ouais. Puis de toute façon, on veut chercher le kill présentement. Oui. Avec Ivyzo, ça va être plus facile qu'avec Toto. Le Squirtle, le back throw. Parce que Squirtle, il kill throw, mais. Ah, comme dit. Oui, oui, back throw. Back throw, Squirtle, il kill pas mal. Là. Oui, quand même. Pas autant qu'Ivy. Non, mais. C'est un, c'est quand même bon. Et voilà, mais... Ford Air, non, 204%. Là, on sort sur Razor, on sort la Thierry Lou d'un écœuré qui meurt pas. What? T'es pas encore mort? Oh non! C'est quoi cette recovery là? Ouais, il a pas mâché. Ouais, ok. L'Explorer, ben, là, on peut sortir l'Explorer dans toute sécurité. Puis on sort le combo City, 62%. Exact, back air là-dessus. On revient de W, on revient, mais on s'est attaqué à la fin. Hey! C'est bon. Je pense qu'en ce moment, on est sur le bord d'un Zero to Death, mais il faut... Ouais, c'est ça. Je suis surpris qu'il n'y a pas switché à Ivy. Là, on switch à Ivy. Et voilà! Ouais, Zero to Death, man. Somebody clip that shit. Ah, non. Hein. Ah, je suis triste quand même, là, pour Bowser. Et voilà, ladder combo là-dessus. C'est l'homme qui est en feu en ce moment. Ouais. Bowser vient de swipe left. You want to get that Ivy? Malheureusement, Bowser, même s'il y a l'HM Flame Breath, ça marche pas dans ce jeu-là. Il n'y a pas les avantages de type. C'est quand même bizarre dans Brawl. Ouais, dans Brawl, c'était weird. Oh my god, on Perfect Shield la Smash. Tap Smash. Ouais, c'est cool. Mais c'est pas visuellement, c'est pas pareil. Non, c'est ça, mais il était au sol. Flying Slam. For the air. Fait que là, on va deux, trois fois jump sur la plateforme juste se faire chier à la caméra. On va chercher un deuxième but. C'est donc avec curse comme du kill screen, hein? Désolé, Bowser. W qui se plaint. Pourquoi pas? C'est-à-dire, selon les statistiques, 10 joueurs sur 10 de Smash, tu n'arrêtes pas de se plaindre. Hein? Officiellement, t'es pas un joueur de Smash si tu te plains pas du jeu. Exactement. C'est pour ça que je me plains jamais. C'est pour ça que Brochu joue pas à Smash, ça tente plus de se plaindre. Brochu joue pas à Smash, parce que ça tente plus de se plaindre. Ouais. Et maintenant, il est dans un futur beaucoup plus vert. Hein. Dans une communauté beaucoup plus verte qui est Apex Legends. Non, j'ai rien dit finalement. Mais ça rappelle que on a du seul par ici. J'ai vu un sachet tantôt. Ouais. Raggy a gagné. Quand une fois tu le dines? Hein? Oui, quand une fois tu le dines? Juste deux? Et voilà, beau combo de W pour commencer le match. Là, Tidoy qui va avoir beaucoup de place dans sa piscine, il vient de dire qu'il est tout seul dans son pool. Mais il a le droit d'avoir une piscine puis se baigner tout seul, ouais, comme quelqu'un pas d'avis. Tu vas te baigner tout seul dans la piscine, hein? Ouais, tout seul dans la piscine. C'est l'histoire de ma vie, ça? Hein? Là, l'eau va être dégueulasse pour le reste du monde, tabarnak. Ah, c'est parce que le bracket a changé. Ouais. Ouais, mais c'est... Mon premier adversaire, c'est... Il s'appelle... Son tag name, Danger. OK, mais reste honnêtement, ça a le temps de rechanger. Et voilà, dernière de Bowser. Désolé, je suis d'autre au commentary. J'ai osé un peu du Get on My Level. Je rappelle que ce soir, c'est un peu un pré-tournoi de Get on My Level. Beaucoup de gros joueurs ce soir. Tout le monde est prêt pour le tournoi dans fin de semaine. Hein. Oh, 3-4 there. Abby, wow! Je savais qu'habitué, mais pas à ce point-là. 4 there! Oh, on spot dodge pour éviter le combo de Squirtle. Oh my god, ça a dû être proche de pogner cette paire-là. C'est up smash-là, désolé. Lazare a dit aerial puis smash. Désolé, gang. Down air. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? On swipe encore. On passe à la plateforme. C'est un petit peu trop tôt sur son down air pour Ivy. Back air! On tient pas chier assez longtemps. W qui prend l'avantage d'un stock en ce moment, mais à 98%.
contre Charizard. 22 avec son Flying Slam. Flame Breath, on ressort la bullshit d'un bord et de l'autre. Des flammes partout. Exactement, c'est rien pour rappeler Sean Kingston. Là, hein? M'excuse, mais faut que je commente. Bowser a fait un don de vie pour counter les flammes à Charizard, puis il a réussi à passer au travers. Ouais. C'est beau. Oh my god! Oh! Ouch! On a une tortue qui vient de se faire détruire le dos, je pense. Je pense que ce jour, ça va directement dans les entrées du pizza show comme... voyons. Ah, fuck, j'ai une joke tellement bonne. Je suis prêt à de la finir. Hein. Comme escargot à l'ail. Magnifique crap, effectivement. J'avais pas vu que je suis en scène, je pensais qu'il était encore au bonhomme. Mais non, ils ont été trop vite, ils speedrun encore. Ben je veux dire, ils gardent le même bonhomme, ça c'est facile d'être dit dans ce cas-là. Puis même le même tableau. Ok, fait qu'il y a un Squirtle Roll qui fait Squirtle Roll. Oui. Squirtle fait tes combos sur Bowser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris ici? Non, pas vraiment. C'est comme... Je veux dire, Squirtle est là pour les combos, Bowser est là pour se faire combo. Puis Bowser vient pratiquement de... Bowser peut égaliser ça juste avec un neutral B. On crache là-dessus, back air, back throw, désolé. Oh my god, d'abord je pense qu'il y avait un peu read le fait qu'elle ait switch de Pokémon, malheureusement. C'est ça. Malheureusement, il a switch plus tôt que ça. Perfect shot là-dessus. Razor Leaf qui mène à des combos simples. Il est tellement fatigant, surtout quand t'as pas de projectile pour contrer. Genre, il essaie de get in, puis il fait juste back, Razor Leaf. En tant que joueur de Samus, c'est un move qui est quand même fatigant, mais que quand j'ai compris que mon charge shot à moitié le battait, j'ai fait « ok ». Mais j'imagine que quand t'as pas de projectile, c'est plus dur à get in contre Ivy. Parce que j'ai été distrait par une autre conversation. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il se faisait Razor Leaf, là, constamment. Ok. Ben, il approchait, il comptait. C'est pas Bowser qui a perdu la première vie. Wow. Non, pis là, on est déjà 112 côté Charizard. Oh. Dans le genre, on a lâché beaucoup trop tôt, on s'est fait 4-air, on sort Squirtle. Fait que bienvenue à bon, Bread and... Bienvenue au Bread and Butter. Non, on se fait avoir. C'est que la beauté de ce mot-là. Bread and Escargot. Hein? Bread and Escargot, exact. Hey! Non! Bread and Butter à l'ail. C'est pas garlic bread and butter, non, c'est bread and butter a lie. Flying Slam. Là, malheureusement, Squirtle, on est dans un pourcentage de 36 côté de Bowser. Je sais pas si Squirtle aurait beaucoup de combo games. C'est la raison pourquoi on switch à Ivy. Sébastien, voyons. Ouais, conversation 6 pour sa background. Down air, pas le stock. Fait que là, il y a un certain avantage. Tu vois encore le Ford Smash. Oh my god! On air dodge sur le stage, c'était dangereux, mais il a pas fait du match, fait que Salum s'y attendait pas. Fort tilt, on grab le ledge. Razor Leaf, up air. Je cherche un autre up air dans. Down B, dans dehors de l'écran, c'est toujours traite. Exactement, on descend tellement vite que c'est pas prêt. Ah, dernière vie des deux joueurs. Je me demande si c'est, en ce moment, si c'est pas Ace-20 contre Brother J en loser side. Hein. C'est pas supposé. Peut-être qu'ils jouent pour le fun. Non, c'est des personnes amicales qui font. Ouais, Jay, c'est des personnes amicales à Mankiri. Là, on a le dernier stock de chaque joueur. Oh my god, Squirtle qui peut se faire avoir. Flying Slam, c'est la fin pour Squirtle. Il est quand même léger. Ouais, pas à ce point-là, par exemple. Pas assez haut pourcentage. On switch pour Ivy. On va sauver un peu plus longtemps. Four throw, down throw, down throw pour le pourcentage. Ouais. J'ai qu'on drop down. Donc, je pensais qu'il y a drop down. Back air. Ouf. A B pour. C'est stressant. Oui, c'est pas stressé comme fin de match. Est-ce qu'on est 50? On drop down fast. Là, je pense que la fin sur toute la plateforme en plus. GG, game over, 2-2. On s'est envolé à dehors du terrain. 2-2, dernier match pour ce round-là. Non, ça l'a en background, on a du hype. Ouais. Dans un friendly. Brother J contre Ace Vincent. Puis je pense que c'est une victoire d'Ace Vincent, c'est tout ça que j'ai compris. Ouais, mais je pense pas que c'est en bracket. Non, c'est hors match. Ben, hors tournoi. Mais quand même. On est prêt pour le match ultime de notre côté, c'est match numéro 5. J'essaie de checker la bracket, t'inquiète là. Pendant ce temps-là, je vais essayer de surveiller l'écran. Ouais, ça va être Raggy contre Brother J en loser. Ouais. Et on reste Bowser contre Second Trainer.
Ben, sans toute surprise. Non. Effectivement. W aurait pu changer de partenaire. Je ne sais pas pourquoi. Il a gagné les deux derniers matchs. Non, il est comme de son bord. On s'entend pas d'autres pour un mauvais choix. Peut-être que Salma aurait pu switcher pour son Wario. Flame Breath, mais on passe par-dessus. On bee. Malheureusement, la bee mène de nulle part. Salma qui a le contrôle total à ce moment. Razor Leaf, Razor Leaf. Donc. Non! Vous allez trop à ça! Je viens de dropper vite, il drop vite. On a qu'il y a des avantages d'un stock, désolé gang, j'ai un peu mal au ventre, j'ai comme déconcentré un peu. Oui, je sais, j'en dis beaucoup trop, mais c'est pas très grave. J'aurais moins mal au ventre si j'aurais mangé au pizza chaud. Anyway. C'est genre un moyen assez utile de nous mettre un peu sa marque si on parle de petit sport. Je vais le jour de même. Ouais. Maintenant, on dit j'ai fini mes commentaires en dehors du stream. Exact. Bon, chaud, t'es triste. Fait que là, W, qui est en situation assez dangereuse, il teste la plateforme. Là, il drop la plateforme, mais il n'y a pas un center stage en ce moment. Là, on a Ivy qui va juste Razor Leaf, Razor Leaf. Effectivement, dernière vie pour W. Une chance, c'est pas des Fallen Leaf. On s'inquiète d'une toune de Billy Talon. Destination, pourquoi qu'on va créer cet événement-là aussi? Au début, je pensais quand t'avais approché à l'eau. De neutral, on bait le flame breath. Et voilà! Flank slam. Non, c'est sûr que non, mais ça prend du pourcentage au moins. Effectivement. Quoi qu'il pourrait style la move un peu, on va voir. On essaie de grab, non. On essaie de grab psycho et saloum, non. Hobby, out of shield, crée un peu d'espace. Le but qu'on rappelle, il est toujours très dangereux quand t'es sur l'edge. Hein. Et il démonte là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu faire flare blitz? Oh my god! Le bug 98, donc évidemment, W n'est pas avantagé, mais il reste à 114%. Il y a quand même une possibilité de faire quelque chose. Ouh! Oh, on survit! On survit encore. Est-ce qu'on va réussir à reprendre le terrain? Oui, on prend le terrain. On va voir quand il drop. Un beau drop là-dessus. Backer, par exemple. Fait que là, W est encore en situation dangereuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Razor Leaf, j'imagine? Non, four layer. Back throw? Non. T'as 180, t'as 190. Oh my god, on manque le down air. Oh non, non, c'est dans. Ouf! Je pense qu'il a voulu bait là-dessus. Ça a un peu marché. Flame Breath, non. Qu'est-ce que W peut faire pour ouvrir? Le problème, c'est que des fois, t'as des combos après Razor Leaf. Et le Bowser est tellement au pourcentage, tu peux plus faire ses combos après Razor Leaf. 204%, un bon coup, puis Bowser est mort. Ouais, là, c'est pas un G-E-G, ouais. Voilà. Oh my god, c'est beau.